Bonsoir tout le monde, c'est Kazuki et on se retrouve pour la suite du live sur Sudeki. Alors on a fait une sauvegarde, on est arrivé par où? Salut Mariko. Donc j'ai tarié de par là. Chambre de la fontaine. Alors l'eau de cette pièce se révèle. Guérison complète. Ça c'est sympa. Pour faire un petit peu de farm. Chez moi. Ok, il me faudra un autre perso. Oh. Est-ce que là-bas, il y aura un coffre à y chercher? Pour Bouki ici. C'est une pièce où il faudra que je revienne avec les deux autres persos. Parce que j'ai pas les. J'ai pas les compétences. Ça fait toujours plaisir.
Est-ce qu'il y a des trucs à casser? Ouais. J'ai fini Hellblade. Ouais, ça sera un jeu qui va pas marcher, ça. Mais j'espère qu'il y aura quand même une boîte un jour. J'y crois pas trop, mais... Donc normalement, on peut faire des allers-retours pour faire de l'XP, là. Ça c'est un spot pour farmer. Alors, je choper des trucs sympas quand même. Alors, en quoi on va l'augmenter? De compétences. Ouais, c'est parti. Sauf que là, maintenant, elle est passée à combien, là? 240 PC. Hop. Alors, attendez 2 secondes. Ah, il veut pas baisser. Ah, tu joues pas le jeu, t'es pas sympa, toi. Non, je refuse. Hein. C'est fait. Tac, je suis à vous dans 2 secondes. Tac. Donc ça c'est beau. Effectivement, il y a eu des... C'est parce que je suis allé faire autre chose sur internet en même temps, je pense que là, ma 4G n'a pas dû apprécier. Mais là, ça s'est calmé. Ça... Je peux pas faire deux choses à la fois sur internet. Il apprécie pas. Alors, non, ça repop pas par contre dans la zone. Hop, allez. Chambre de l'aigle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Il y a un brûleur d'encens par terre, les bords sont tachés d'encens de couleur. Et du rouge, du jaune et du bleu. Ok. Eh ben écoute, hein. Ah, il y a un mur. Dissipé. Vous avez ramassé une poignée d'encens jaune. Ouh.
Qu'est-ce qu'on va faire avec John Saint John? Vous avez ajouté de l'un Saint John dans le brûleur. Alors, pour faire du vert, j'ai mis du jaune, et il faut du bleu. Voilà, donc en mélangeant le vert et le bleu, attention, ça déconne pas. Miracle. Non, j'en avais jamais fait. J'ai jamais fait de gameplay de ce jeu. Il y a d'autres jeux où j'ai fait des gameplays que je referai en live, mais lui, non, j'avais montré. Ah, baston. Baston. Fait. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Non, non, je l'avais montré à l'époque où j'avais commencé, j'avais acheté la Xbox, je l'avais montré le jeu, à l'époque où je faisais encore des vidéos retour achat, avec des vidéos qui illustraient, mais je l'ai jamais joué. Un coffre vide, probablement pillé lors de l'invasion des araignées. Le reste des fabuleuses richesses de la tribu Shadani. Pourrissant. Des cadeaux. Totem de l'aigle. Donc ça c'est cool parce que c'est le deuxième totem pour avoir l'arme ultime. La grande question c'est... Il n'y a pas autre chose? C'était juste pour un totem. Le légendaire trésor des Shadani est ruiné par la sécrétion acide des araignées glues. Je l'avais montré, ouais. J'avais expliqué un petit peu sa sortie et par qui il avait été développé. Maintenant, on va faire du violet. Ce que l'autre. Alors, du violet. Donc. C'est du bleu. Et du rouge. Rouge et jaune ça fait orange, rouge et bleu ça fera violet. Hop. Eh ouais, il y a des énigmes là, ce jeu, faut pas croire. Hein. Mine de rien. Attention. Les couleurs primaires. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Ils vont pas tarder à se retrouver sûrement. Il y a plein d'endroits où on peut monter.
débloqué. Ok, on a fait le tour. Donc, un. Il y a trois endroits. Bookie peut escalader les murs à l'aide de ses griffes. Alors, c'est quoi ça? Un interrupteur vert. Ça ouvre une porte, ok. Ouais, c'est ça, couleur primaire. Là, ça sent un coffre, peut-être pour elle, un symbole de. Pour son arme. Nous sommes bénis des dieux. Ah non, une sphère de pouvoir. Allez, c'est parti. En gain de guérison, vous pouvez pas l'utiliser. D'ailleurs, elle est quel level? Elle est level 7, hein, donc je suis plus haut level que prévu. Calamarca. Alors 1200 PV, 1050. Et c'est même fait bouffer une... Ah ouais, c'est sympa quand même. Donc tu fais mumuse avec son pistolet. Tranquille, quand elle aime. C'est Elko, faut pas chercher. Alors, chambre murale. Ah, baston. Dans la gueule. Qu'est-ce qu'il y a de beau là, quand même? Mais il m'a pas la chose.
On gagne de compétences. Il n'en a pas utilisé lui. Non, il n'a pas utilisé de magie. Alors, hop. Non. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors Elko peut ramasser le cristal d'or pour recharger son pack fusée. La jauge se remplit à proximité, appuyez sur A pour planer. Utilisez le joystick gauche pour vous orienter. Ok. D'accord, je me suis chié complet. Heureusement, ils avaient prévu le coup. Se rate un peu, je pense. J'espère. Ah mais non. Ah merde, je suis tombé alors que je devais pas tomber. Ça c'est moche. Comment je vais remonter maintenant? Activé. Ah
La porte du dragon est déverrouillée. Quoi, magie derrière. Régénère tous les membres du groupe durant le combat. Alors, si j'ai su, je l'aurais utilisé à le combat. Ça. C'est un genre de... Oui, sois les dieux. Alors, sphère de la puissance. Bombe de guérison, plus 500 PV. Pas de problème au niveau du live. Le grand aigle veille sur nous. C'est un grand aigle. Oh, t'inquiète, monsieur, personne. Moi, je fais mon business. Wow. La raise. Mais
D'ailleurs. Alors, bombe de compétences. Restore 5 PC. Ok, parfait. Il refait chaud de nouveau. Ah, que recevons-nous pour nos mésaventures et notre combat? Ah, une arme pour Bucky. Augmenter en puissance brute. Azila le loup, ça fait quoi? Invoque l'esprit d'Azila pour les deux combats. Plus elle dispose de sens, plus elle fait mal. Non, on va l'augmenter en puissance brute. Plus 10. Elle frappera beaucoup plus fort. Alors. Tac. Tes yeux comme problème. Donc. Chambre du dragon. La porte s'est refermée derrière vous. Une fourrure de Wolof. Ouais, quoi de beau par là. Alors, là, il n'y a plus rien. Par contre, ça va être Elko qui va devoir continuer tout seul. Putain, le mec, il branle le mec. C'est vraiment un sacré slacker, lui. Allez, charge ton truc. De compétences, on peut plus l'utiliser. Et fourrure de Wolof. Bon, par contre, je peux plus retourner en arrière. Moi. En fait, il faut tracer les deux en même temps. Il faut faire les deux rapidement. Sinon, on n'a pas la charge.
Il faut être deux. Ok. Je peux pas aller plus loin. Là, il faut être deux pour ouvrir le truc. Il y a un truc que j'ai pas trop compris là. Qu'elle ne peut pas monter, elle ne peut rien faire. Ah si, elle peut passer par elle. Une sauvegarde, pas loin ou pas? Je me rappelle plus. Non, d'accord, on a repris directement. Salut Aslan. Bienvenue à toi sur le live. Toutes les issues ont été bloquées. Bombe de compétence. C'est pas beau. Sors-lui là-bas.
Alors, ça c'est fait. Alors. Et il a pris cher quand même. Il n'y a pas eu de level up. Non, et de nouveaux objets. Ils font des attaques rapides, ils sont immunisés contre malédiction, ils peuvent se TP. Trop bien. Ouais, il était venu sur FF12, il me semble, Aslan. Si je dis pas de bêtises. Hein. Voilà, c'est bon, on a clean la salle. Une statue de Mo. Dissiper. Alors, on a fait quoi de ça? Donc là il y a un emplacement. C'est ce que c'est. Ouais, je pense qu'il faut l'amener là en fait. Saisir. Hop. Ah, le bloc s'est encastré. Donc ça c'est bon. Donc là c'est pareil. Shiny. Shiny, putain j'y tiens. Eilish. Voilà, hop. Et le bloc s'est encastré. Ça c'était de l'énigme bien sympathique des familles. 50 XP. Je précise à Aslan, je sais pas si comme si t'es passé sur ce live, mais là je joue pas sur émulateur, je joue vraiment sur l'original Xbox. Donc là tu vois vraiment le jeu, c'est pas de l'émulation original Xbox. D'ailleurs, je sais même pas si un émulateur Xbox. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là? On peut pas y accéder. Avec Tan non plus. Allez. De l'autre côté.
est bloqué. Oh, ça change des émulateurs, quoi. Là, au moins, c'est sur le vrai hardware. Encore une énigme avec des trucs à bouger. Alors, c'est quoi le truc? Ça doit être une salle de TP. Ok. C'est que les cristaux doivent être mis au bon endroit. D'accord. Ok, lui il veut pas. Est-ce que lui on peut le bouger? Ok, lui on peut le mettre là. Lui il est cassé. On pourra pas parce qu'il y a la pierre. Oh putain le bordel. Ah, là il y en a deux de bons. Je suis coincé, pas celui-là, c'est l'autre qui va mettre. Alors attends, parce que l'autre il va falloir l'envoyer là. Ça va être compliqué ça. Hop. Ah. Pierre d'autre côté? Ah d'accord, putain, il y a une pierre d'autre côté. Voilà, oh, 12. Quatrième. Hop. Allez, l'énigme est finie. Le tempo. Ah, pas mal. Hein. Le dragon qui fait cramer. C'est bien pensé. Ça va, Ellie, je t'as pas trop branlé les mouches pendant que je bossais.
Je regarderai vite à fait. Oula, mais t'en as des vidéos. T'auras le choix. Alors, mais c'est pas des lives, hein. Les lives c'est assez récent. Hop. Potion de guérison, ma petite sauvegarde. Mais si t'aimes l'histoire du jeu vidéo, il y a des trucs sympas. Hop. Quelle joie de vous revoir tous les deux. Derrière cette porte repose le cristal de Shadani. Il est gardé par Gara, la reine des araignées, un allié ancestral du peuple Shadani. Depuis l'arrivée des descendants de la lumière, Gara est au bord de la folie. Maintenant, ses enfants nous persécutent, et elle se battra à mort pour protéger le cristal. Ensemble, nous pouvons la vaincre. Non. Gara est une guerrière Shadani, tout comme moi. Elle vit à nos côtés depuis si longtemps que je ne peux pas la laisser périr aux mains d'étrangers. J'affronterai Gara seule. Lorsqu'elle ne sera plus, alors seulement vous pourrez prendre le cristal Shadani pour le mettre à l'abri au château. Mais il restera la propriété du peuple Shadani. C'est de la folie, Buki. Nous sommes venus pour vous aider. Alors, respectez mes croyances. Je viens autant du monde animal que vous du monde des hommes. Il en est ainsi. Gara doit mourir avec clémence, de ma main. Que Mo soit avec vous. Putain, faut que je me farcisse un boss tout seul, quoi. Chaud, quoi. Attends vraiment qu'elle va venir. Parce que sinon on va pas le grand aigle veille sur nous. C'est un grand aigle. Ah, c'est bah oui. Ah, comment on aura la rejet? Eh merde. Putain, mais on fout du poids donc.
Aïe. Ça fait mal. Une action RPG. Sorti en 2004, en exclusivité sur original Xbox et ensuite ressorti sur PC un peu plus tard. À la base, c'était une exclusivité original Xbox. Aïe. Aïe. Non, j'ai pas cassé la gueule. J'aurais pu. Pressé. Bon, c'est le seul moyen de la vaincre. Hein. Ouh, il en fait 3 maintenant. Attention. Aïe. Mais on se coince plus dans le mur quoi.
C'est bien compliqué là. Les esprits nous envoient ce vent. Respirez. Quand tu veux que tu te fous dans le mur. Hein. Je pense que c'est là qu'il faut que je la mette. Pas dans le poison, ça n'arrivera pas, je crois. Parchemin du croc de vampire reçu. Ah, on a récupéré le cristal de chat d'animaux. J'ai cru qu'elle vivait encore. Je me trompe ou le sol vient de trembler? Oh oh. Attention, il y en a d'autres! Comme si on avait besoin de ça. Dors! Dors! Tout le monde dort! Par ici, nous pouvons. D'où viennent-elles toutes? Elles vont nous dévorer! Vous n'êtes pas encore fichu. J'espère que vous n'avez pas le vertige. La seule issue est en haut. Allez! Cinématiques sont toujours un peu plus fortes.
Ah, c'est absolument incroyable. On était là et puis... Maintenant, on est... ici. Ça ne ressemble pas à Illumina. Je connais cet endroit. Nous sommes dans le royaume des ténèbres. L'abri où Mo devait conduire mes ancêtres. Exactement comme cela était écrit. Je suis béni, car j'ai atteint le paradis. Le paradis? Je ne sais pas. Mais il faut que j'explore ce lieu. Il y a un chemin par ici. Voyons si nous pouvons nous repérer. Alors, nouvelle quête. Ah, maintenant on a accès aux 4 personnages. Donc là maintenant on est dans le passage des ténèbres. Salut Malu. Alors qui c'est qui a des améliorations? Elko. Alors il a quoi Elko? Tire une volée de charge explosive. Plutôt qu'est-ce qu'il a pas. Stimule tout le groupe. Et qui peut infliger 2 fois plus de dégâts. Ça c'est sympa. Elle est passée niveau 10, Bookie, le fait d'avoir fait le mob. Ok. Ça roule, Malu. Trouver un moyen de retourner du royaume des ténèbres à Illumina. Ah, c'est vrai que là, pour le coup... paumé dans une espèce de jungle ténébreuse. Allez, hop. On peut vérifier, mais à mon avis, ce cercle de pierre ressemble à un portail, mais aucune magie animale. Là, par contre, une bouquille un peu montée. Un petit baume de guérison, ça fait toujours plaisir. Ouais, moi j'ai vraiment aimé. Après bon, beaucoup de gens détestent aussi, hein. C'est vraiment assez partagé les avis. Donc c'est ouais, de toute façon quand je fais parler hein, déjà, sphère de la sagesse. C'est que moi il n'est pas... il marque les esprits quoi. Après voilà, il y a des phases de gameplay qui sont vraiment sympas, mais ils ont trop tiré sur les phases de combat. Même si au final, scénaristiquement par là, au niveau du... ça s'explique quoi, au niveau du scénar. Hein. Vu que c'est... combat contre toi-même, ça s'explique, mais bon, un peu trop long à mon goût. Et puis le combat de fin, fallait oser quand même. Je spoile pas parce que si un jour tu venais à le faire, fallait oser. Bon, visiblement, là on a tout fait parce que là il y avait pour Bookie, là on peut rien faire. Ça, à mon avis, ça sera tous les téléporteurs qu'on débloquera au fur et à mesure d'Illumina. Donc on va prendre le... non, ouais, c'est que des TP là. Allez hop, on est parti.
En tout cas, ça pourrait être dans le monde de Hellblade, là. C'est quand même assez... assez dark. Oula, il est sympa lui. D'accord, ils sont attaqués. C'est un peu traître quand même. Mais sauvegarder. Allez hop, c'est l'heure du café. Allez, petite pause de 2 minutes et je vous dis à tout de suite.
Personne ne résiste à mon baiser de guérison.
Personne ne résiste à mon baiser de guérison. J'espère que ça marche. Ce ne sont que des prototypes. Celui-ci est pour toi. Personne ne résiste à mon baiser de guérison.
Celui-ci est pour toi. Personne ne résiste à mon baiser de guérison. Celui-ci est pour toi. Personne ne résiste à mon baiser de guérison. Ah !
Les esprits nous envoient ce vent. Respirez bien, les amis. J'espère que ça marche. Ce ne sont que des prototypes. Personne ne résiste à mon baiser de guérison. Je prie Cariston de livrer le jugement dernier.
Non, c'est que j'ai coupé le micro, j'avais pas eu. J'avais coupé le micro. Non, là, je galère sur un mob, quoi. Sur une série de mobs. Là, quand j'avais pas remis le micro depuis que je t'ai remis, quoi. Essayer de pas crever sur le combat cette fois-ci. Celui-ci est pour toi. Les petites ailes, c'est mignon. Là, je m'en fous de buffer. Là, franchement, si ça tombe, je sais plus quoi faire. Ok, hein. Tant mieux. Ah la merde, elle a un peu prendre. Allez, SPG, voilà, là, franchement, full buff, hein. Le grand aigle veille sur le... 3 buffs sur la gueule. Je pense que je peux perdre. Ici, toi, fils de... Bon, ça passe un peu mieux, là. Personne ne résiste à mon baiser de guérison. Toujours en avance. Nord poupette. Hein.
C'est qui est parti là-bas? C'est pas ça. Celui-ci est pour toi. Ben, c'est chaud, quoi. Quand t'as pas full buff. Personne ne résiste à mon baiser de guérison. Celui-ci est pour toi. Et tu vas faire des blagues pourries. Ah putain, il y en a un qui est mort quoi. Impressionnant, le combat il finit pas quoi. C'est chaud quoi. J'espère qu'il faut que je rate si j'ai pas un super à faire parce que. Laisse mon healer tranquille. Putain. Pouf, t'es chaud le combat. Ah bah là c'est un peu abusé quand même. C'est un peu abusé. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Pulvérise un gaz corrosif devant lui, affaiblissant et empoisonnant ceux qui le respirent. Transforme les effets d'état négatif. Ah ça c'est pas mal. Transforme les effets d'état négatif en effet positif et immunise contre les effets. Ça c'est super par contre. Ça coûte un bras.
Mais le bouclier Tesla, en gros, tu sais ce qui me crevait là. C'est qu'avec cette compétence-là, tu débuffes. Et ça te fait... Tu dispelles et tu buffes. Ben c'est parfait ça. Non mais c'était long. J'avais pas le souvenir que c'était aussi dur à l'époque. J'avais pas le souvenir que c'était aussi dur. Parce que là, mine de rien, fallait changer les persos, fallait claquer les skills et tout. C'était pas mode tranquille quoi. Cette maison semble avoir été abandonnée depuis longtemps. Encore du monde sur le chat, tout le monde est parti. Les arbres ont pris racine ici, il est impossible d'explorer les bâtiments. Une statue de Mo. Alors, dans le style rendu célèbre par les guerriers Shadani. Effectivement. Ok. Les arbres ont pris racine, il est impossible d'explorer les bâtiments. Ouais, je pense que tout le monde est parti. Ouais. Après, c'est pas un jeu qui attire une grande foule. C'est dommage, il est pas mauvais. Hein. Alors là, il y a une sortie. Et là, j'ai pas la clé. Donc en gros, il y a qu'une sortie, elle est là. Ouvrir. Je pense que là, on va arriver à... À la cabane du vieil homme, ouais c'est ça. C'est là qu'on va pouvoir pex un peu. Là on en a besoin parce que les mobs ils font mal. Ah bah c'est parce que c'est pas du Final Fantasy. Final Fantasy t'as du monde là. Bombe de compétence. On ne peut plus importer. Un bombe de compétence. Restaure 100 PC. Panacée d'émeraude. Allez, on va voir le papy. Le problème, c'est que lui, hein, bah, Hellblade, ouais, ça a pas marché. Ah, voilà, c'est lui qui me permet de pex. Normalement, c'est. Alors, les étagères sont pleines d'anciens tomes, de légendes anthropomorphes et d'exploits mots. Ce livre semble avoir été écrit dans une langue ancienne. Bah c'est dur de maintenir des gens sur 60 heures, hein, parce que je crois que j'ai fait plus de 60 heures sur le live hein, de FF. Ah, non. J'ai vu votre venue ensemble. En même temps, je l'ai fini à matière. Mon nom est Exam, descendant de Mo. Comment êtes-vous venu? Ben, on est juste arrivé là. Ah, vous avez pris le portail. Il serait plus exact de dire qu'il nous a pris. Alors, vous n'avez pas de pierre de navigation? On ne sait même pas ce que c'est.
Eh bien, vous avez dû activer le portail. Peut-être était-ce une concentration de magie qui l'a actionné. Dans tous les cas, sans pierre de navigation, vous risquez d'être bloqué. Bloqué ? Ce système de portail, ou passage des ténèbres, fut construit avant l'âge de la séparation. C'est ainsi que nous, les anthropomorphes, sommes arrivés ici. Hélas, nous n'avons pas tous pu passer, et il ne reste que peu de survivants aujourd'hui. Cet endroit n'est guère devenu notre nirvana. Fascinant, mais il nous faut rentrer chez nous. Où peut-on trouver l'une de ces pierres ? À l'origine, il n'y avait qu'une seule pierre de navigation. Mais quand Eigu a séparé le monde de Sudeki en deux, la pierre a été brisée. Le plus gros fragment, la pierre des mondes, a été confié à Phareksloor. Un autre morceau est entre les mains d'un commerçant appelé Camo. Les derniers morceaux ont été emportés par les agents de Eigu dans le monde obscur d'Akloria. Mais bien sûr, tout ceci ne vous concerne pas. Vous n'avez pas le droit d'emporter la pierre de navigation. Son pouvoir est tel qu'il peut servir le bien comme le mal. C'est pourquoi il a été décidé que seul un guerrier anthropomorphe pourrait obtenir l'objet de son maître. Telle est la loi divine. Je suis Buki, guerrière de la tribu Shadani. Je peux revendiquer la pierre. Très bien. Mais écoutez bien. Quiconque détient cette pierre porte un lourd fardeau. Pour rentrer chez vous, partez vers le nord pour retrouver la pierre de navigation qui repose dans l'île tombeau de Phareksloor. Cette clé ouvre la tombe, mais sachez que les esprits captifs défendront farouchement Pharex. Si vous avez raison des morts vivants qui gardent la pierre, c'est à vous, jeune Buki, qu'il reviendra de grimper jusqu'à la pierre pour la revendiquer. Si vous en êtes digne, les dieux vous parleront là-bas. Quête mise à jour. Alors, trouvez la pierre de navigation dans la tombe de Phareksloor dont Exan vous a parlé. Vous en aurez besoin pour retourner à Askylia. Ouais, donc ça c'est bon. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Vous pouvez rentrer chez Axem et lui demander s'il est possible de vous reposer là-bas. Et si vous avez besoin de souhait. Ouais, c'est là, c'est le coin où on peut farmer. Hein. Bon, écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour la suite des aventures de Aili Shelko Buketal. Djane.